We've already collaborated with this guy, and I think a bunch of you must follow him. This is Alessandro at the Caprissimo, and he is a Twitter phenom. He knows everything, he's everywhere, he covers all fashion houses, fashion events, and we got him, that's right, for the whole week. A special invite. Alessandro, how you doing, baby? Hi, hi, hi. I'm very happy and excited to meet you guys and cover this fashion show with you. I think there are a lot of new designers coming up in Montreal, and this is a terrific way to do so. Est-ce qu'il y a un designer qui va montrer ses collections dans les prochaines semaines que tu pourrais nous dire une prédiction à quel point il va se développer dans la mode à Montréal? Ben, je pense sincèrement que pour moi, comme vous le connaissez, je suis un grand fan d'Anastasia Lomonova et je dirais toujours que pour moi, ça représente une valeur sûre de la mode montréalaise et canadienne. Puis elle a un talent qui est vraiment inné et c'est quelqu'un qui a aussi un vécu, qu'elle est capable d'amener l'émotion sur les vêtements et aussi que les vêtements soient portés parce que c'est quelque chose dans la mode qui est assez important. Le deuxième designer, on vient de le rencontrer ensemble, Bedram Karimi. Il amène beaucoup au niveau de la mode. C'est sûr que c'est ses premières collections. Il faut donner au talent les moyens de se développer. Mais je pense qu'on a vu aujourd'hui des propositions pour hommes qui étaient dans l'androgynité un petit peu fluide et déstructurée, qui peuvent se refléter dans un prêt-à-porter en fait de tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Ciao.